Pardon. C'est génial, non? Ça va ou pas? Ne leur fais pas confiance. Moi, c'est Laetitia Denis et je suis productrice chez Bandini Film. Kevin Rousseau, je suis producteur chez Bandini Film. Et Raphaël Andrea Soato, je suis producteur chez Bandini Film. À la base, on est devenus amis avec Raphaël, on travaillait chez Offshore avant. Raphaël en tant que producteur, moi en tant qu'assistante de production. Et Kevin travaillait en tant que producteur chez Local Film. Et en fait, on est devenus amis il y a une dizaine d'années. À la base, on se racontait un peu nos expériences de production. Rapidement, on s'est dit que ce serait bien de monter quelque chose ensemble. Entre-temps, avec Raphaël, on s'est mis ensemble. Kevin est devenu notre témoin de mariage. Enfin, il y a eu tout quelque chose d'assez familial où aujourd'hui, on se connaît depuis très longtemps de manière intime et c'est ce qui fait, enfin, on a aussi la même relation avec nos auteurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on construit des choses ensemble. Primitif. Épuré. Et douceur. Plus qu'une ligne éditoriale, ce qu'on produit c'est d'abord des gens. Des gens qu'on a rencontrés au fur et à mesure du temps, des gens avec qui on était... Enfin, effectivement, on devient amis, enfin, on a effectivement ce côté très familial qui fait qu'on devient très proche de nos auteurs. Et en fait, on préfère produire peu et peu de gens, mais de manière plus intime et plus familiale. Nous, on est très demandeurs d'aller vers des choses différentes, qu'on nous propose des choses différentes. Et on soutient aussi les auteurs qui nous proposent, enfin, qui essayent aussi d'évoluer dans leur cinéma. Il y a aussi un autre point, c'est que bon, ça peut paraître, je ne sais pas si tous les producteurs fonctionnent comme ça, mais évidemment les sujets qu'on va produire sont forcément un sujet qui va nous toucher profondément, au moins l'un de nous trois. Fidélité. Sincérité. Et intimité. Être tenace. Être patient. Humain. Ne pas avoir peur de travailler tout le temps. y croire, enfin, si on croit vraiment au projet qu'on développe, il n'y a pas de raison. Ouais, être tenace, aimer lire, savoir écrire et savoir compter. Ouais, que ça s'arrête jamais. Qu'on ait toujours la possibilité de faire des courts-métrages avec tous les financements qui existent en France, on a quand même beaucoup de chance, parce que c'est une vraie liberté. Garder la liberté qu'on offre aux auteurs pour un premier film. Le plus d'exposition possible, notamment en salle. À notre époque, je pense que c'est important.